Hey, salut gang, c'est officiel. On vous annonce la 7e édition de Fashion Preview. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'être avec le beau Marco Roy du Cégep Marie-Victorin. Ça salut, va bien, Marco? Oui, ça va super bien, toi aussi? Oui. Qu'est-ce qu'une journée dans la vie de Marco au Cégep? OK, donc c'est toutes les affaires publiques. C'est l'événementiel, les défilés, les concours avec l'industrie, les stagiaires, les relations avec la Garde métropolitaine de la mode, tous les organismes comme le Conseil canadien de la fourrure. Donc, c'est vraiment autant l'événementiel, okay, tout ce qui est public, créatif, que vraiment le travail là, de développement avec l'industrie. Quand on vient au Cégep Marie-Victorin, mm-hmm, qu'est-ce que vous leur apprenez au niveau de la mode? On part vraiment là, de zéro autant là, en commercialisation ou en design. Là, ils arrivent ici, souvent, ils n'ont pas de connaissances. Ouais, ouais, ils sont ouais, un petit peu effrayés parce qu'ils ne connaissent pas les machines, ils ne connaissent pas tout ça, mais pas tous les passion, logiciels. Exactement, oui. Fait que nous, on les prend à zéro, puis d'année en année, on augmente leurs compétences, faire en sorte qu'ils soient capables de travailler dans l'industrie, qu'ils prennent plaisir aussi, puis qu'ils développent là, les super beaux produits qu'on voit derrière nous à oui, chacun de nos défilés. C'est le fun, parce qu'à chaque saison, chez Fashion Preview, on a remarqué que vous présentez beaucoup de fourrures, puis on trouve ça très original. Nous, on aime ça. Okay. L'année dernière, vous aviez beaucoup de couleurs. Qu'est-ce qu'on peut voir cette année? Cette année, comme on peut voir, là, on va vraiment dans le naturel. Puis on okay, a une collaboration cette année avec l'artiste de Foxtrot, donc, qui a lancé une nouvelle vidéo. Joli, puis les textures. Toute notre collaboration, c'est ça, va être vraiment dans ces fourrures naturelles-là. Puis c'est un petit peu un contraste qu'on veut faire entre tout ce qui est organique et okay, tout ce qui est très froid, comme la pierre, le métal. Donc, on s'en va dans une autre direction. On présente la fourrure, mais on enseigne aussi là, les matières traditionnelles, les tissus woven, tout ça. Mais par contre, pour Fashion Preview, on se réserve la fourrure parce que c'est nordique. C'est intéressant parce que je pense que vous êtes toujours à peu près les seuls à faire de la fourrure là, à Montréal. Oui, on est la seule école nord-américaine, c'est ça. Donc, il y a une autre école dans le nord canadien qui enseigne des techniques artisanales. Okay. Au niveau du design, on est la seule école nord-américaine. Ça fait que ça nous distingue beaucoup. C'est super. Ouais. Moi, j'adore la fourrure. J'aimerais que tu me parles un peu des différents départements qu'il y a à l'interne là, ici au Cégep. Okay. Donc, on a commercialisation de la mode. Mm-hmm. Donc, on apprend aux étudiants tout ce qui se passe au niveau de la commercialisation, la mise en marché, la promotion, les réseaux sociaux, l'événementiel. Donc là, on couvre tout ça. Okay. Ensuite, on a le design. Donc, design, c'est développement de patron, confection, moulage, le dessin par ordinateur. On est aussi la seule école canadienne à être partenaire exclusif avec Lectra, qui est un logiciel de dessin de patron. Ah oui? Donc, on est la seule école. Il y a 40 écoles dans le monde qui sont partenaires okay, avec Lectra. Et puis, on est la seule école canadienne. Donc, ça donne la chance à nos étudiants d'avoir un logiciel pendant toute la formation qui vaut 21 000 $ wow, gratuit pour le temps de la formation. C'est super, super intéressant pour les étudiants. Oui, puis c'est le fun. Puis vous avez un beau pavillon ici, oui, exactement, je trouve, hein? Puis on est aussi la seule école qui enseigne présentement au niveau collégial la production de la mode. Donc, les étudiants en design, après leur DEC, ils font une année supplémentaire, s'ils le veulent bien sûr. OK. Puis ils apprennent tout ce qui se passe au niveau de la production pour un atelier ou pour l'international. C'est super intéressant. Puis, une autre chose, oui, on est la seule école. Faites des choses au Cégep Marie-Victorin, c'est le fun, ça bouge. Donc, là aussi, on est la seule école de mode qui héberge un centre de recherche de Vestech Pro. Okay. Donc, c'est un centre de recherche qui fait le lien entre les étudiants, les enseignants, puis des projets concrets de recherche qui sont appliqués dans l'industrie de la mode. Le Cégep Marie-Victorin, c'est combien de professeurs, combien de professionnels de l'industrie qui sont ici pour partager leurs connaissances? Si on fait comme tous les programmes, on a à peu près 50 enseignants, puis wow, il y a plus de 600 étudiants. Puis on a un nouveau programme de commercialisation qu'on lance en septembre, qui est vraiment orienté technologie, réseaux sociaux, e-commerce, tout ça. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer ce 27, 28 et 29 mars, ce Fashion Preview 7. On peut venir voir le Cégep Marie-Victorin avec Marco Roy. Salut tout le monde! Bye tout le monde!